Bonjour et bienvenue sur Création Mode. Eh bien, je vais vous montrer comment utiliser les planches symboles de notre site. Eh bien, pour rien vous cacher, vous allez voir que c'est assez simple en soi de créer des symboles et de les utiliser en tant que symboles dans une gamme de montage ou éventuellement sur un dessin technique. Eh bien voilà, vous allez voir en quelques clics comment je fais. Alors, je vais aller sur ma planche de symboles. Je ne les ai pas encore mis en ligne parce que j'ai pas encore tout à fait fini. Mais je vais vous montrer. D'accord ? Donc en fait, c'est simple, je sélectionne mon premier col. Donc je le copie comme ceci, CTRL C ou commande C pour ceux qui sont sur Mac, et là je vais maintenant aller sur une planche entièrement vierge. Je vais faire un petit CTRL V pour pouvoir coller en fait mon col. J'ouvre ma palette symbole, c'est le petit trèfle qui se trouve ici, voilà, et là c'est simple, je vais sélectionner mon col et le faire glisser comme pour forme de motif. Donc là, je lâche dès que je vois le petit plus, je nomme mon symbole chemisier, voilà, classique. Puis je sélectionne, en fait ce n'est pas un symbole pour une séquence vidéo, mais c'est plutôt un symbole graphique qui va nous servir pour faire effectivement du dessin technique. Donc les deux boutons qui viennent après, c'est assez simple, et d'ailleurs c'est marqué ici, hein, tout simplement, séquence vidéo et graphique sont des balises pour l'importation flash. C'est-à-dire donc si vous avez besoin de créer des symboles pour des sites web et autres styles, vous devez utiliser ces boutons. Moi, personnellement, en dessin technique, je n'ai jamais eu l'utilité de ces deux boutons. Donc là, je vais tout simplement dire OK. Et voilà. Donc là, j'ai mon chemisier qui est apparu. Il y a une petite chose que je vais quand même vous dire, parce que c'est quand même important, d'accord? Si vous décidez de modifier votre col, eh bien sachez que toutes les modifications que vous allez apporter à votre col sera automatiquement répercutée sur votre symbole dans votre bibliothèque. Exemple, par exemple, je prends cette pointe et je l'arrondis comme ceci, d'accord? Voilà. Eh bien, tout simplement, je vais sortir du mode isolation, et bien je vais maintenant prendre un nouveau symbole, le porter sur ma planche, et vous voyez que effectivement mon col dans ma bibliothèque symbole est modifié. Voilà qui clôt aujourd'hui notre cours d'aujourd'hui sur les symboles. En fait, un petit nota bene, pour pouvoir rouvrir l'option de symbole, vous cliquez sur cette icône et vous retrouvez le tableau des options symboles. Merci, au revoir.